Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 28 septembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Parfaite. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la carte attirance. Alors, cette carte, elle indique, eh bien, peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Peut-être aussi, eh bien, des ouvertures sur le plan affectif. En tous les cas, avec cette carte, les choses progressent dans le bon sens. C'est l'harmonie dans les relations entre les êtres. Elle peut évoquer la naissance d'une passion extrêmement forte, une relation de couple charnel, une fusion entre deux personnes. Il est un fait et certain que cette attirance, elle est là et c'est très difficile de passer outre de cette attirance. Elle symbolise, eh bien, aussi les tensions amoureuses et sexuelles entre deux personnes. Peut-être que dans votre couple, eh bien, il y a cet amour qui est très profond, mais il y a aussi cette attirance, tous ces plaisirs et ces plaisirs charnels. Et voilà, vous êtes dans un... Allez, je vais dire que vous êtes sur un petit nuage... pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, n'est-ce pas? Et il se pourrait que vous fassiez la connaissance. Peut-être que vous êtes attiré par une personne et vous allez, eh bien, vous allez peut-être commencer une relation avec cette personne parce que cette personne, il y a... Entre vous deux, il y a un désir mutuel. Le désir est mutuel, donc cette attirance qui est là et qui est plus fort que tout. Voilà, donc c'est peut-être une belle nouvelle rencontre que vous allez faire, une belle ouverture hein, sur le plan sentimental. Alors sur le plan professionnel, il peut s'agir de synergie. Plus généralement, eh bien, elle peut indiquer qu'une force vous attire vers quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Je termine par la sagesse Ho'oponopono. Et aujourd'hui, j'ai pigé tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous. Avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Eh bien oui, tout vient de nous, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, c'est nous qui décidons. Nous avons encore toujours le libre arbitre. Ne jamais dire que c'est les autres qui m'ont, par exemple, obligé à prendre cette décision, à faire ceci, à faire cela. Non! Parce que cette personne-là ne vous a pas mis le couteau sous la gorge. C'est vous qui avez pris la décision parce que vous avez votre libre arbitre. Et maintenant, si ce n'était pas la bonne décision, eh bien, il ne faut pas accaparer l'autre, n'est-ce pas? Parce que la décision, elle vient de vous. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Et d'ici là, portez-vous bien, moi je vous embrasse et je vous dis à demain.